Et salut à tous et à toutes, c'est BibiFlox, comment vous allez? Moi ça va super bien. Comme vous pouvez le voir du coup, j'ai réinstallé un petit peu le setup. Et j'ai des... Je me saoule. Du coup ce soir, soirée un petit peu spécial. On a des guests, on a des invités surprise. C'est ça cette musique? C'est bon, ça commence. Ce soir, on accueille la Fraps Team. Je présente Maréchal Grizzly. Et je présente Smoger. On est bien là. Ah, je suis bien dans l'ambiance. Putain. Allez, je me suis Est-ce qu'on mangé est bien ou pas? trois Ouais. strikes. Trois strikes. Alors, du coup, ce soir, on va faire trois ranked. Donc on va jouer chacun notre tour, mais avant on va commencer par Grizzly. Ouais, toi, tout à fait. Moi? Oui, Moi, lui, faut que je passe là? il va, ouais, il va nous expliquer ses raccourcis et deux trois astuces. Oh putain. Parce que tu es quand même le top 1 FR de Planetary, ça pèse quand même dans le game. Quel honneur de cette personne. Ah, alors tiens, toi tu joues à la manette Xbox, c'est ce qui paraît. C'est vrai? Ah, Ouais. c'est Oui, bon. alors on fait Xbox. Ouais. Alors R1, R2, c'est des R au moins, attends. Attends. Donc ça c'est pour faire tourner la planète. Ouais, ok. Ensuite là c'est pour l'accélérateur. Et quand D'accord. tu driftes en virage, ah mais c'est pas le bon jeu là. Attends, on parle de quoi là? Attends, on parle. Attends, vous êtes qui en fait, Attends. monsieur? De qui parlez-vous là? Attendez. Mais... Donc Oh là ça c'est là. Hot Build pour ceux qui connaissent pas Ok. Hot Build. Hot Build, c'est quoi? C'est un mode qui se télécharge. Vas-y, moi je fais la musique, Ah toi oui, tu. c'est... Ok, donc Hot Build... Attends, on va prendre Hot Build. Tous les modes sont disponibles dans les modes de la communauté. Il faut aller dans Disponible et chercher le petit mode qui s'appelle Hot Build. Après, tu cliques ici, tu l'installes, et une fois que c'est installé, le combat commence. Après l'installation, Ouais, je le veux bien combat faire un commence. instant. Ça, tu me passes tes lunettes? Ça fait des vrais échos. Oh, Ouais, ça lunettes du Canada, s'il vous plaît. c'est Hein. les gens qui Lunettes du spawn, ils Canada. portent que des lunettes en fait. Donc là, je continue à parler tout seul pendant que tu fais tes Bah, lives. présente ton truc là, Ok, nous on d'accord. est en train Donc, de. Bah, l'écoute là. les Putain, il raccourcis. saoule. J'ai pas L'écoute beaucoup est de là-bas, ça peut raccourcis, bien mais passer. j'ai juste les Voilà, non, mais raccourcis. il y a un peu J'ai moins de choses, s'il te plaît. Fais un peu moins de choses, s'il te plaît. les raccourcis les plus importants du jeu. En gros, c'est un brouhaha, je pense. Hein. En gros, les raccourcis les plus importants, c'est pour le métal, donc métal T1, T2. Pour l'énergie, T1, T2. Et après, on va voir tout ce qui est pour faire les expands. Donc, pour faire les expands, on a besoin du métal et de l'énergie. On a aussi besoin des petites tourelles. Donc, on a les tourelles entières T1 et T2. Et ensuite, les tourelles laser Qu'est-ce que t'as pour défendre contre les Ouais. troupes terrestres. Sympa. Tu louches bien. Hein. Pour défendre J'ai contre la les voix touches là. terrestres. Et après, on a les raccourcis pour les usines. Alors là, elles sont toutes sur une seule touche. Ce qui fait, par exemple, là, l'usine R, elle est en troisième. C'est-à-dire qu'il faut appuyer trois fois sur B pour l'atteindre. Bon, c'est pas ultra efficace, mais c'est simple. On n'a pas trop besoin non plus de s'en servir. Et voilà. Et puis, on a les murs sur espace, comme ça. Tac, ils sont accessibles très rapidement. T'as besoin d'être réactif. Bim. Wall. Wall tout de suite. Direct. Ok. Et puis, parce que je suis flemmard, on a mis W pour les réserves. Parce que voilà, c'est sympa les réserves. Après, ça suffit, il n'y a pas besoin de beaucoup de raccourcis pour chaque truc du jeu. C'est vraiment si t'es déterminé, Ça mais. te va ça? Ah ouais, j'ai pas écouté. Ouais, Ouais, c'était pas non, mal, hein? ouais. Eh, ils sont pas mal tes Non, raccourcis, franchement, finalement. Hein. Alors, au niveau du jeu, t'as. La manette. les raccourcis qu'il y a dans le jeu. C'est un fake, mon TT, c'est un fake. Alors, j'en utilise quelques-uns vachement importants. Est-ce que. Alors, je te coupe. Est-ce que tu joues avec WASD, toi, ou pas du tout? Non, c'est Z, toi. Non, moi je touche qu'avec la. Qu'avec la souris. Qu'avec la souris, oui. Bah, tu vas me dire, moi, c'est pareil. À souris ou Je joue que à la des molette. fois des flèches. Bah, tu peux jouer avec ZQSD. En fait, ça dépend vraiment des gens. Ça dépend totalement des gens. Il y a des gens qui sont plus ZQSD. Moi, je suis plus truc qui tourne et qui blinde. C'est rigolo. Les deux raccourcis les plus importants, les plus insane, les plus magistraux vont être. Alors, j'en ai un ici. Il faut que je Alors, trouve le deuxième. attends, je tourne un peu la cam parce que Lizzie nous explique en fait depuis tout à l'heure à faire des belles paroles. Après, on retournera vers toi, mon petit smog. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, Grizzly explique, mais on voit pas seulement, on voit juste le coin de sa tête. Alors, il nous faut quoi? Il nous faut donc sélectionner toutes les unités de même type à l'écran. Alors ça peut paraître un peu complexe comme ça quand on le lit. En fait, c'est vachement simple. C'est vous sélectionnez par exemple un dox, et en appuyant sur le raccourci, ça va sélectionner tous les docks qui sont à l'écran. Et ça permet de sélectionner des trucs ultra rapidement. Putain, t'es beau gosse dans mes lunettes. Merci. Okay. Et du coup, ça, c'est vraiment ce que j'utilise pour sélectionner toutes mes armées, pour sélectionner que des types d'unités un par un. Et on a sélectionné toutes les unités aériennes à l'écran, parce qu'il faut bien dissocier les Alors, avions du terrestre. je sais pas pour te casser, hein, mais moi qui est streamer professionnel, Ouais. si tu regardes le retour de stream, tu vois que ce que tu montres à la souris, on ne le voit pas. Mais c'est pas grave ça. Ils Non, savent. mais je te le dis comme ça. Non, mais Je t'inquiète suis pas pas. prévenu. Tutoriel by Grizzly. Attends, on est en écho raccourci. Non, On est non, parti avec les explications en live. je sers mon meilleur Sinon, je rush vais me faire couper.
faire meilleur roche orbiteur. Je vais me faire couper. Alors on est sur Enfer. Enfer qui est une petite map de lave. Petite analyse de la map. Excuse-moi. Moi je fais mes bails. Petite analyse de la map. On a notre première expande par ici, des expandes intéressantes par là. On va pouvoir s'expandre par là. Oui, intéressant. Ah ouais. Désolé, moi je joue dans mon coin. On a quand même pas mal de points de métaux dans la base, ok. Alors c'est une petite map, donc on peut commencer bot l'air et ensuite tourner sur des tanks. Ouais, faut le savoir. Ou alors on peut même tenter une double tank. Voilà, double tank. 300 euros. Pleure pas, Cobra, c'était bien. Est-ce qu'on peut leur demander des plus aussi, double tank ou bot air? Alors, on va faire une petite bot air. Bot air là, du coup? Ouais, bot air. Mais toi, principalement, tu fais tout le temps du bot air en fait. Je fais de toute façon du bot air. Et après, tu fais quoi? Comment tu sais que tu refais une deuxième air ou bot? Ça dépend la map. Ça dépend la grandeur et la grosseur de la map. Ah, en théorie, si je fais ça. Ouh, ok, ça m'a sorti une tank parce que t'as mis le bot en premier. Bah ouais. Mais j'ai trop l'habitude d'appuyer deux fois. C'est con, comment on sort du tank air? Attends, si je peux caler une deuxième tank, je fais deux tanks. Hein. Vas-y, bah fais une deux tanks. Ah, tu fais le tuto. Hein. Mais deux tanks, j'ai dit deux tanks ou bot air. En vrai, ça passe. Ça passe crème. Ouais, c'est ça, 4. Ouais, oui, attends. Hop, le petit scout, les 5 strikers, hop, petit entier, hop, 5 strikers, hop. Alors, hop. Moi, j'ai un ami qui jouait énormément striker. Mm-hmm. Que peux-tu, tu peux et lui dire quoi? Et ben, on peut lui dire que franchement, c'est une méta qui se tient sur des petites maps. Alors, du coup, sur celle-là, ça va être un peu peut-être complexe. J'ai fait un stop là, j'ai entendu un groupe. Non, c'est quand. Je sais plus quand ça fait de bruit. Ok, donc le commandeur a ses premiers ordres, c'est pas mal. Va falloir vite sortir les strikers. Et en fait, l'avantage de faire des strikers, c'est qu'on va pouvoir attaquer l'ennemi assez tôt. Et qu'en même temps, on va pouvoir tourner en tank juste après. Mais les strikers, c'est efficace que contre les bots, en fait. Oui, mais ouais, mais c'est puissant au début. Puis en fait, le gros avantage, c'est que tu peux tourner tank après, en fait. D'accord. Tu peux faire l'attaque avec une attaque comme avec les docks, ouais. Et tu tournes tank ensuite. C'est plus long que les docks, quand même, par contre. Non, ça va moins vite. Non, ça a été augmenté, ça va plus rapidement. Ah, ça va à la même vitesse que les docks, maintenant? Un tout petit peu plus vite, même. Ah ouais. Bah, du coup, first tank, c'est pas mal. Oui, bah sur des petites maps, ça passe très bien. Ah, celle-là, elle est un peu grande. Ah, donc là, je vais essayer de les envoyer un peu partout. Non, le wall again. Pour essayer de choper un peu de ici. On va aller chercher ce métal. Ouais, je vais caler une petite botte quand même. Et un petit commandeur avant qu'il finisse. Ah, il va te coincer. Et si l'autre il fait de l'aérien, c'est bien les strikers contre l'aérien ou ça vaut rien? Pas du tout. Mais en fait, dans le concept, tu peux sortir. Il y a mon entier qui va sortir, donc ça va. Sinon, après, t'as Légion, c'est comment aussi? Ah, non, Légion, c'est trop pété. Salut, Shirinza! Comment on va? S'en fout. Oh, j'ai pas tous mes raccourcis. Ouh là là! Oulala. Ouais, le mec il joue pas ouf, hein. Comme ça on dirait pas qu'il est top pure le mec, hein. Non, parce qu'en fait il y a des macro cheats. Tout de suite, ah oui c'est ça. Ah oui c'est attaque, ah ok d'accord. La réalité des risques c'est qu'il y a un bot qui joue sur place. Oh, on va avoir un petit faber là-bas. Un petit faber qui va même pas réussir à tomber le fab. Ça va nickel, merci. Là y'en a un. Ah! Ouh le beau gosse. C'est ça qu'on veut, on veut de la chasse aux fab nous. Et là on le laisse bien ici pour faire chier. Alors là on voit déjà la différence parce que alors moi je joue pas du tout à cette vitesse. Ouais, en plus j'ai pas du tout donné de full. T'es pas de... C'est ça. Attends, c'est quoi tes avions? C'est ça? Ok. Si vous voulez j'ai des maps sympas pour du 1v1, 3v3, 2v4, etc. Il est chaud Tété. Ouais, j'aime comprendre. Tété il est devenu mappeur, t'as vu? C'est vrai, oui il fait des maps, je aime bien les maps. Ouais, on en a fait 2-3 l'autre fois, c'était sympa j'avoue. Oh là on a pris des points de métaux, c'est vachement bien ça. On a réussi à prendre des points de métaux, on le ralentit. Ouh le bombardier, ouh le bombardier. Heureusement, on est en pro de la. Alors, explique-nous un peu Cover the Line, les astuces de Cover the Line. Ouais, alors, Cover the Line, en fait, ça sépare les troupes. Si je fais une ligne, comme ça, ils vont tous se séparer en ligne. Là, c'est un peu compliqué parce que j'ai genre deux bombardiers sur moi. Le problème des strikers, c'est qu'ils tournent, difficilement. Ouh, cet entier est vachement en retard. Après, hop, j'ai mes avions qui peuvent venir. Ah, si souris marche. Oui, il marche très bien. Comment dire que c'est arrêté? C'est pas bon, c'est pas bon. Ah, on partir sur des bots. Et là, on a quelques. Alors là, le problème, ah oui, j'ai mis du temps à ressortir des autres constructeurs. Et sont les masques et les distances? Bah en fait vu qu'on s'est roulé des pelles toute la soirée hier, on s'est dit qu'on en avait pas besoin. Ouais. Parce que déjà se rouler des pelles avec des masques c'était chiant. Okay, non on a pas descendu hier dans le bord. Ah tu dormais toi? Ouais, ah, mais oui. T'étais drogué. Ouais, mais t'as pas suivi tout le... Merde, qu'est-ce que tu fais? Bah c'est pour ça qu'il faisait chaud dans le lit. Ouais, il faisait chaud dans le lit. Ouais, je me disais hein... J'aimais le concept de l'animation aussi. Ça fait un coup de place, il faisait chaud... T'es un streamer et t'as les deux autres à côté pour animer le stream parce que de toute façon toi t'es à fond, t'expliques rien depuis tout à l'heure. Mais c'est trop. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est super dur. Ah, t'as vu que c'est chaud de streamer et d'expliquer rien. J'avoue, après ils regardent, ils comprennent, tu vois. Ils comprennent quoi? Bah, même si ça va vite, t'es comprennent. Bêche, toi. Et ils comprennent quoi? Ah, bah là il prend bombardier, il va faire clic droit sur l'étincelle, quand il va arriver au-dessus, il va faire stop pour s'arrêter et il drop toutes les bombes à côté. Et ouais, mais ça faut l'expliquer.
Là, je spam clic pour que le bombardier il aille lentement et qu'il ne drop pas tous ses bombes à côté. Là, on voit un constructeur, on focus le constructeur. Ah, Bibi oui. prend du level à PA, Grizzly en stream. Bibi, Uber ce soir. Ah oh, oui. Attends. Attendez. Là, on se décale pour essayer de prendre les constructeurs dans la ligne. On en a eu qu'un. On passe au-dessus du deuxième. La solo bombe, elle a été droppée. Ah. Il a plus de bombes en réserve. Oui. Non. Le commandeur pas là. Noob. Je veux un max de noob dans le chat. Bon. Après, ça va, il micro passe et... Bah après, c'est un bot, quoi. Ah, j'ai passé beaucoup de temps ici. Tiens, on commence à avoir des armées tellement conséquentes. On a beaucoup trop d'économies. Quand on a trop d'économies, on fait quoi? On fait une usine. Ah, usine. Commandeur, tu fais quoi? C'est vrai que t'es en vacances et tout. Et tu fais jamais de T2, en fait. 6 minutes. Et t'as une usine qui tourne pas. J'allais dire... C'est quoi ce tuto de merde? Non, mais en vrai, t'es un peu à la bourre, faut dire ce qu'il y a, quand même. Ah, mais j'ai pas des raccourcis... Ça joue tant que ça, les raccourcis? Ah, mec, comment tu veux que je suive ce que je fasse, que je comprenne et tout? Je peux raccourcir, ça va se faire. Je crois que je t'obsède. T'as vu là? Allez, bon, on en tire tout bisous, bisous, mon petit cobra. Merci à toi d'être passé, poulet. On va les scouter un peu. Oh. Alors, la vue de la montagne, c'est bien. Après, c'est parce que l'IA aussi, il est un peu enclavé là. C'est nice la montagne. C'est vraiment. C'est nice, mon chum, la montagne là. C'est-à-dire que la montagne, c'est celle-là à Marbord là. Là, on va perdre la bombardier parce qu'il y a un anti-air, mais ça vaut le coup pour le constructeur. On s'en va. Oh, il y a des constructeurs R là. Toi, mais l'IA après, genre, il a pas bougé de celui parce que je l'ai trop restreint en fait. Il a pas réussi à suivre. Ouais, ça me voit, ça se fait. Ok. Ça va, commandeur, t'es en vacances en fait, le clic droit sur l'usine, t'as pas compris, c'est ça? Oh putain. Oh, on va faire des constructeurs. Ouh là là. Tu vois, quand je vais en infini, ça attaque, c'est un peu trop bien. C'est pas en infini. Putain, ah, il y a le double écran. Si t'arrives pas, toi. Mais ça va, je me débrouille pas, toi. Tu vois, regarde, j'attaque chez lui. Ah. Ah, j'ai raccourci pour les mines. On limite bien ou pas, les gars? Ah. Ah. Je suis toujours rêvé d'être un comédien. Non. Les mines. Ce qui vient de mettre. Les mines. Des mines incroyables. On dirait Nizo quand elle a perdu comptoir. Oh, shit, guys. Ah. Ah, il a eu ses free points, hein, Nizo, le pauvre. La T2, elle en est où? Ça va, ça avance bien. Alors, dans la T2, ce qui est bien à faire avec les bots... C'est 3 slammers pour un sniper. Et comme ça, vous avez un bon ratio. Les singes, on en fait uniquement si l'adversaire fait des tanks T2. D'accord? Mais d'accord. Et on fait 3 slammers pour un sniper. Si vous voyez qu'en face, il y a trop de T2, etc., trop de bots, vous pouvez rajouter un peu de sniper. Comme ça, vous allez pouvoir tuer un peu tous les slammers et tous les snipers. C'est vrai. Ouh, le com. On peut aller chercher, on va essayer d'aller prendre les 3 points de métaux. Et tu vois avec tes strikers du coup. Bah ouais. Non mais il y en a encore qui tournent dans les usines, mais on voit que la compo elle a changé. Oups, le dernier. Oh. Alors là j'aimerais bien ne pas tuer l'usine et qu'on aille là-bas. Non, c'est le petit. C'est pas le chat? Non, c'est pas le chat. Oh. On va commencer à prendre des points de métaux, oui. Mal. Ok, il y a tout qui sort. Alors c'est parce que dans l'absolu, oui, dis-nous tout. Il faut poser des petites tourelles comme ça, là, hop, avec une petite wall. Et ça, c'est une expand bien faite et rapide avec les raccourcis. C entière, double X pour la niveau 2, le petit wall devant avec espace, le E pour les points de métaux. Et ça, c'est rapide. Et ça, tu reprends ça, hop. On va me caler un petit radar au milieu de la map. Là, on va avoir du T2 qui va arriver. L'IA, il a rien compris à sa vie. Il a pas tout suivi. T'as l'air fort. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'es doué? C'est vrai, il y a une chambre juste derrière, je vais te montrer comment on fait des trucs. Ah oui, apprends-moi. D'accord. Franchement, je peux vous apprendre. Tu veux qu'on fasse des petits défis, genre jouer les yeux bandés ou. Un petit foulard autour du cou. On joue au jeu de la tomate en même temps, avec tous les trous là. Là, quand vous êtes un peu radin et que vous avez des guérisseurs là, des Stitch dans votre armée, ouais. Vous reclaimez pendant le combat. Ah, il a seulement sinon j'ai le 1-1 easy, mais grave, mais Kat il a un méchant niveau, mec. J'avoue. Moi je tire des nukes, comme ça je peux pas prendre mon armée. Pareil, moi aussi je tire des nukes, il aime bien. Wesh, qui est le nombre à côté de toi? Les nombres? Moi je suis numéro 8. Alors c'est le. Ah, t'es le 8? Ah, c'est toi le 16 alors? Non, moi je suis 77. Merde, c'est qui le 16? Ah, bah toi, c'est moi. C'est moi. Je le 16, le pauvre Villa. 77, hein. Peut avoir 77. Ça c'est 77 toi. Ouais. Là on le mange un petit peu. Et toi c'est le 8. Moi c'est le 8. Merde. Moi en général mon numéro c'est le 8. Ah ouais? Ah ouais. Oh, shit. Moi c'est le 6 moi. Shit boys.
C'est quoi ton numéro porte-bonheur? Moi, bah j'en ai pas parce que ça marche jamais. C'est quoi le numéro porte-bonheur? Et toi, c'est quoi? Moi, c'est le 8. C'est vrai? Ouais, bah, c'est pour ça. Moi, ouais, c'est le 6 et le 2. Non, je rigole, moi, c'est... C'est le 7? Le 13, le vendredi 13, moi ça me porte toujours. Hein. Enfin bref, du coup. Ouais, c'est pourtant que j'avais gagné. Ça va, ouais. Tout passe bien, hop, un petit halt là. Oh là là. Bah là. Non, du coup, Oza, je te présente Marechal Grizzly, le grand et l'unique Marechal Grizzly. Et le grand et l'unique et le magnifique Smog. Smoger. Giant of the best. The Fraps Team. A rock new. Et là, astuce, team. Pour gagner la partie, il faut faire clic droit sur le commandeur. Ah ouais, je savais pas ça. Non, t'es sérieux? Quoi? C'est pour ça que j'ai jamais gagné. Ça a fonctionné! Il y a une télé derrière. Doucement. Elle a survécu la télé.